de l'inconvénient d'être né, écartèlement, le mauvais démiurge, des larmes et des seins, aveuse et anathème, enfin bon bref, façon. Donc moi le livre, le premier livre de Sioran publié en français, c'était Précis des décompositions, et dès les premières pages, alors moi c'était un choc esthétique, littéraire, et puis j'ai ri, mais ri, c'est un livre très très drôle, parce que Sioran est bon, un auteur éminemment humoristique, eh bien apparaît la marquise du Défard. Vous voyez, qu'est-ce que ce nihiliste roumain, tiens j'en vois un autre dérivé, qu'est-ce qu'un nihiliste roumain peut... quel est son rapport avec une dame du XVIIIe siècle qui tenait salon, un salon prestigieux, qui était en concurrence avec le salon de Mme Geoffrin. Et je me suis rendu compte qu'au fond, c'était d'une certaine façon une de ses aïeules. Voilà. Et j'ai voulu en savoir plus et j'ai découvert qu'elle avait une correspondance extrêmement suivie, abondante, avec une grande figure du XVIIIe, mais carrément une figure antinomique, qui est Voltaire. Et ces deux personnes, âge-là, étaient absolument complémentaires, du point de vue des idées, enfin complémentaires. Donc, c'était une bêtise. Ils étaient tout à fait antinomiques, au contraire, mais complémentaires du point de vue de l'esprit. L'ironie de Voltaire était tout à fait en accord avec l'ironie de la marquise. Et la marquise du Défunt est donc une grande épistolière qui a, comme ça, dans ses lettres, au fond, sans le savoir peut-être, écrit de très beaux manifestes philosophiques nihilistes, d'une drôlerie absolument décapante. Et au XVIIIe siècle, c'est la seule qui gardait la tête froide. Même, elle mettait en garde Voltaire contre ses désirs de vouloir éclairer l'humanité avec ses amis les encyclopédistes qu'elle recevait chez elle, hein, dans son salon, elle le recevait. C'était une grande entremetteuse, elle recevait... Enfin, elle n'a pas reçu... Elle détestait Diderot, elle le trouvait mal dégrossi, Rousseau, elle le trouvait crétin, mais à part ça, du Marsay... C'est elle qui... Diderot est brutal. Brutal, oui, parce que Diderot tabassait l'impératrice de Russie. C'était sa maîtresse, c'était des rousses, bon, donc elle trouvait ça assez grossier, et à juste titre, enfin, bon, elle, donc, et voilà, et dans les lettres de la marquise du Défunt, on peut voir se dérouler, comme ça, non pas sur une forme systématique, mais la forme plaisante de lettres, on peut voir se dérouler une pensée nihiliste, c'est-à-dire, donc, au sens où je l'entends, c'est-à-dire complètement détachée des idéaux, des illusions, consistant à vouloir réformer l'humanité, la faire progresser, la faire avancer vers je ne sais quelle perfection morale, etc. Et donc, nous avons effectivement une femme étonnante, enfin, tout à fait à rebours de son siècle. Sauf que ça tenait... Qu'elle définissait comme le ténia de l'âme. Et, parce qu'elle disait, oui, dès que quelque chose pourrait me retenir mon attention, m'amuser, etc., aussitôt, c'est mangé, absorbé, bouffé par, attaqué par cette espèce de ver solitaire que j'ai en moi, que mon cher Voltaire, c'est l'ennui. Et alors, elle n'arrivait pas à en guérir. C'est pour ça qu'elle demandait à Voltaire de lui écrire des lettres tout le temps, de l'entretenir dans une espèce de drôlerie comme ça. Ou alors, la pauvre, elle avait à son service, elle avait trouvé un ancien officier qui était handicapé, enfin qui avait été blessé à la guerre, et donc elle l'avait embauché pour la nuit, parce qu'elle était insomniaque, un peu comme Sioran, d'ailleurs c'est pour ça que Sioran l'a passé, pour que ce type lui lise pendant la nuit, alors Montaigne par exemple. Elle se faisait lire les essais de Montaigne par son invalide, elle l'appelait son invalide. J'ai fait lever mon invalide pour qu'il me relise les essais de Voltaire, tel passage, de Montaigne, tel passage, etc. Voilà, donc, et c'était effectivement, elle était rongée par l'ennui. Oh, détrompe-toi. Baudelaire disait la Révolution française a été faite par des voluptueux. Et justement, j'en viens, quelle belle transition, j'en viens à Héros de Seychelles,
Alors, s'il y en a bien un qui s'est jeté à corps perdu dans la Révolution, c'est bien lui, un playboy, un dandy, qui était le chouchou de Marie-Antoinette, etc., et qui était véritablement vraiment une vedette, quoi, à l'époque. Et puis, quand la Révolution a éclaté, au fond, il s'est dit que la Révolution, c'était une aventure qu'il pouvait vivre. Pourquoi ? Mais pour se désennuyer, pour se désennuyer. Il est allé jusqu'à l'échafaud, comme ça. Et puis, et d'ailleurs, une fois dans le mouvement révolutionnaire, il n'a pas pu s'empêcher de tourner en ridicule Robespierre, Saint-Just, enfin tous les idéologues. Et ça lui a coûté effectivement très cher, puisqu'il est monté sur l'échafaud. Et il nous a laissé un petit ouvrage merveilleux qui s'appelle « La théorie de l'ambition », qui est une sorte de bréviaire d'arrivisme social, comment briller en société, comment se faire des amis, comment se faire des ennemis mais prudemment, comment... Il avait une formule, qui, en fait ça se résume dans un distique, il disait, il écrit ceci, « Seul le personnage nous plaît et nous étonne, et tous les... » Je l'ai noté. Oui. Le personnage... Oui, le personnage seul nous plaît et nous étonne. Tout le charme est détruit si l'on voit la personne. Voilà. Donc c'est l'art de porter un masque. Bon, cela dit, c'est un mauvais élève de sa propre théorie puisque ça ne l'a pas mené bien loin. Je me suis dit d'ailleurs que c'est sur une phrase comme celle-ci que tu avais peut-être décidé d'emprunter un pseudonyme, un nom de plume, Shifter. Oui, ce n'est pas tout à fait un nom de plume puisque tu me taquines sur ce plan-là. C'est ce que Pessoa appellerait... non pas un pseudonyme, mais un hétéronyme. D'accord, c'est un nom que je n'ai pas inventé, c'est un nom qui fait partie de ma famille. Voilà. Ma grand-mère s'appelait comme ça. Donc, ma grand-mère maternelle s'appelait comme ça. Et c'est un nom voilà, qui vient de Hongrie. Ma grand-mère était Tzigane. Voilà. Donc, je n'ai pas connu d'ailleurs, mais peu importe. Mais j'ai trouvé que c'était un beau nom.